La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, une performance qui restera à jamais gravée dans l'histoire du dodgeball, oui. C'est bien de cette discipline qu'il s'agit, même si vous êtes impatient de remporter la troisième étoile en ce qui concerne le football. Qu'est-ce que le dodgeball? Comment se pratique-t-il? Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle réussi à décrocher une Coupe d'Afrique dans la discipline? Pour en parler, nous recevons la présidente de la Fédération Ivoirienne de Dodgeball, en abrégé FID. C'est bien cela, Marie-Josiane Yao. Merci, félicitations. Eric. Merci. Et bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est tout un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Alors, vous êtes championne d'Afrique de dodgeball. Dès votre arrivée ici en Côte d'Ivoire, vous avez été reçue par le ministre des Sports. Quel est votre sentiment? Alors, ayant travaillé depuis 3 années avec les membres du comité directeur, les présidents de club, les athlètes dodgeballeurs, et participé aux différentes phases de présélection, sélection, participer pour la première fois de l'histoire à la Coupe d'Afrique des Nations et revenir avec 3 sacs sur 4, être accueilli par notre ministre de tutelle, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Ça a été vraiment un honneur, mais aussi, on va dire, une sorte de reconnaissance. Et pour cela, nous voulons remercier le ministère des Sports, remercier le Premier ministre et remercier le ministre délégué, qui fait un travail exceptionnel. Cette Coupe d'Afrique, vous l'avez décrochée au Maroc, à Meknès, et nous avons quelques images de ce qui s'est passé justement au Maroc, où la Côte d'Ivoire, pour sa première participation, a remporté le trophée. On regarde. Alors, Madame Yao, on a eu quelques images de ce qui s'est passé. On a une idée de la pratique de cette discipline, mais expliquez-nous comment ça se joue réellement, le dodgeball. Alors, beaucoup ont demandé depuis notre victoire, qu'est-ce que c'est ce sport et tout ça. Mais je veux dire à la population, surtout aux Ivoiriens, qu'ils ont déjà pratiqué cette discipline quelque part à un moment donné. D'accord. Donc, pour ceux, avant d'expliquer la discipline, je vais poser la question à nos téléspectateurs de savoir qui a déjà joué au jeu police, au jeu de bouteille avec les balles en sachet qu'on utilisait quand on était petit. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, c'est cette discipline récréative qui a été récupérée par les Américains et qui a été nommée aujourd'hui le dodgeball, qui est pratiqué dans presque 100 nations. Le dodgeball, pour l'expliquer, est une discipline américaine, d'origine africaine, collective et mixte, dans lequel deux équipes de 6 joueurs... collective et mixte. Mix. C'est très important de le préciser, ce qui veut dire que dans le dodgeball, on peut retrouver des joueurs masculins et aussi des joueurs féminins. Oui, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes jouent ensemble. Des autres disciplines, c'est une discipline mixte qui est pratiquée dans la catégorie hommes et mixte en même temps. Donc, on se retrouve sur un terrain où on y trouve des femmes et des hommes qui compétissent, d'où notre championnat national. Pour ces débuts de promotion, nous avons décidé d'organiser des championnats mixtes. Mais plus tard, nous allons les décentraliser à des différentes catégories. Pour continuer, c'est une discipline sportive mixte, collective, dans laquelle deux équipes de 6 joueurs tentent d'éliminer leur adversaire tout en évitant de se faire toucher. Pour ceux qui ont joué à Halo Police, vous savez très bien, on prend la balle, on essaie de trouver un joueur de l'autre côté. Une fois que la balle touche ce joueur, il est éliminé. C'est bien cela. Exactement. Maintenant, il va falloir user de stratégie sur un terrain de 19 mètres sur 8, pareil comme celui de volleyball, et
usé de stratégies pour éliminer l'adversaire. C'est là qu'interviennent les coachs, oui. Les entraînements les stratégies. Et tout ça. Oui. Et figurez-vous, c'est l'une des seules disciplines où on a 6 mmh. arbitres. Oui. Qui contrôle. D'accord. Parce que quand il s'agit de ça m'a touché, ça ne m'a pas touché, oui, quartier, il y a beaucoup de passion dedans. Il y dedans. En a qui refusaient de reconnaître qu'ils ont été éliminés, qu'ils ont été touchés. Là, au dodgeball, vous avez 6 arbitres sur le terrain, donc ça vous permet de voir si quelqu'un a vraiment été touché, s'il a vraiment été éliminé. Effectivement. Pour vraiment une certaine crédibilité du jeu. Voilà, d'où des règles assez basiques. Assez basiques. En 10 minutes, on peut rapidement connaître la discipline et pour y jouer. Il y a eu même plusieurs activités qui ont été tenues. Mm-hmm. Donc, l'une des activités phares qui nous a révélées, mm-hmm. c'est l'activité de la GIF du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mm-hmm. qui a été chapeautée par la Première Dame. Et ça a été un tournoi dodgeball 8 mars interministériel qui a vu le ministère des Sports vainqueur, bien entendu, le mm-hmm. ministère de l'Éducation nationale en deuxième posture et le Conseil national des droits de l'homme à la troisième place. Et vous êtes allé au Maroc avec 12 joueurs. Dans 11 joueurs, 11. Pour être plus précis. Comment avez-vous réussi à sélectionner tous ces joueurs-là? Alors, ayant travaillé avec un comité directeur jeune et dynamique, mm-hmm. des présidents de clubs qui ont épousé la vision, oui. nous avons organisé une première édition du championnat national à l'an 2022. D'accord. Et l'an 2023, nous avons organisé 8 journées du championnat national mm-hmm. et nous avons mis en place un comité, le Codendo. Ce qui me dit que la participation de la Côte d'Ivoire à cette Coupe d'Afrique des Nations oui. est l'aboutissement d'un processus, d'un travail qui a commencé depuis 3 ans. D'accord. Exactement. Et nous avons donc, comme je le disais tout à l'heure, mis en place un comité national des coachs mm-hmm. de dodgeball de Côte d'Ivoire. Et ce oui. comité, composé de 4 personnes dynamiques, jeunes dynamiques, ont organisé des phases de présélection, oui. recruté 65 athlètes dodgeballeurs oui. et des 65 lors de la phase test qui s'est tenue sur 4 journées à l'Agora de Kumasi. Mm-hmm. 30 ont fait partie de la base de données, dont 20 hommes, 10 dames et des 30 selon mmh. le quota qui nous a été demandé par notre ministère de tutelle, oui. 11, dont 8 hommes, 3 dames ont pu valablement représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire à Meknès, au Maroc. Et il faut noter que l'événement s'est tenu du 26 novembre mmh. au 1er décembre 2023. Et la Côte d'Ivoire était à sa toute première participation. Effectivement. Et la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des nations de dodgeball, peut-être que cela augure de quelque chose de bon d'ici janvier, puisque la Côte d'Ivoire organise aussi la Coupe d'Afrique des nations de football et elle aimerait peut-être marcher dans les pas des dodgeballeurs ivoiriens. Vous venez d'expliquer effectivement que vous avez fait une sélection de 11 joueurs pour aller au Maroc. Et comment s'est faite cette préparation? Est-ce que vous avez été soutenu? Est-ce que le ministère des Sports, le ministère de tutelle, bien sûr, vous a aidé, a mis tous les moyens qu'il fallait à votre disposition? À cet effet, il faut premièrement remercier l'ex-ministre des Sports, M. Claude Poulin, parce que c'est sous sa coupole que oui. Le dodgeball a été révélé en 2020-21. Et mmh. par la suite, il faut remercier le nouveau ministère délégué oui. des sports et du cadre de vie mmh. et qui a permis à ce que la délégation ivoirienne de dodgeball puisse avoir des billets pour pouvoir participer à cette compétition. Oui. Mais au-delà de ça, mmh. le ministère des sports n'a pas hésité à appeler à chaque moment, monsieur le ministre, mmh. à appeler à chaque moment pour voir comment les choses se préparaient et a même dépêché une représentation de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc pour assister et même à la finale. Et remercier aussi le président Soumaoro, mmh. président de la conférence des présidents de fédération, oui. qui aussi n'a pas hésité, grâce à lui, son leadership, à permettre à la fédération, dès son mandat, d'avoir des équipements oui. pour pouvoir acheter des balles qui sont confectionnées à l'international, au Pakistan, et permettre à tous nos 16 clubs de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour pouvoir promouvoir ce sport dans les différentes localités. Parce que les 16 clubs sont représentés à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et à ce titre, il faut remercier. Mais il mmh. y a beaucoup de choses à faire oui. dans les perspectives. Mmh. C'est déjà d'être accompagné, et d'accord. bien accompagné, oui. mmh. et surtout d'accompagner l'équipe à la réalisation
de la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde à Graz en Autriche. Pourquoi pas pour pouvoir revenir avec ça. C'est quand la Coupe du Monde? En août prochain. Oui, en août prochain. En août 2024. 2024. La Côte d'Ivoire souhaite participer à la Coupe du Monde de Dodgeball avec son titre. Oui. Auréolé du titre de champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire souhaite participer à la Coupe du Monde de dodgeball en Autriche. C'est bien cela, oui. Et pour cela, quelles sont les différentes étapes à franchir? Déjà terminé le championnat national 2023 et par la suite organiser des bootcamps, au moins 5 à 6 bootcamps, où les athlètes dodgeballeurs vont se retrouver, vont être formés par le Comité national des codes de Côte d'Ivoire, par la suite mettre tous les moyens à leur disposition pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, et ça c'est important, et pour qu'ils partent, même si c'est leur première participation mondiale, partent avec confiance et pour pouvoir revenir avec quelque chose de meilleur, parce que c'est notre objectif. Mais au-delà de ça, plusieurs activités seront mises en exergue. Oui. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a la conférence internationale de dodgeball dans le cadre du sport et développement qui se tiendra à Edmonton au Canada, à laquelle tous les pays africains ont été, africains et internationaux, les pays internationaux, ont été invités. Et comme c'est une initiative de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire qui a été validée par le président international, cela permettra à nos représentants du ministère des Sports d'être présents, celle des leaders d'institutions africaines d'être présents en tant que parlainistes, et pourquoi pas voir le dodgeball rentrer dans les Jeux africains 2024-2025. Parce que ça aussi, c'est le travail. Et pourquoi pas voir le dodgeball brillamment être inséré dans les Jeux de la francophonie. C'est tout ce panoplie de travail que nous sommes en train de faire. Et il faut noter que dès l'année prochaine, on va dire cette année même, le dodgeball rentre dans l'OASU. D'accord. Et donc les clubs, les différents clubs qui ont été présélectionnés à organiser ces différentes activités, ils vont pouvoir le faire sainement, légalement, et c'est un honneur pour nous. Marie-Josanne Yao, on est déjà à la fin de cet entretien. Merci. Un entretien consacré au dodgeball. Je rappelle que vous êtes championne d'Afrique en titre. Voici un ballon de dodgeball que nous avons ici sur ce plateau. Un dernier mot avant de clore cette émission. Merci déjà à cette info qui nous reçoit, M. Eric. Merci à notre ministère de tutelle qui fait un travail exceptionnel, surtout pour les jeunes fédérations. Et surtout, merci à tout le comité directeur de la FIDE, parce que le travail n'a pas été que le travail de la présidente, mais le travail de tous les membres du comité du directeur, les présidents du club, les athlètes. Mais on va inviter aussi les institutions internationales, les institutions africaines, le gouvernement ivoirien et surtout les entrepreneurs, les sponsors, les partenaires à nous contacter, à nous aider, nous rejoindre dans ce dynamisme-là et pourquoi pas atteindre un certain niveau encore plus intéressant, plus important pour les prochaines actions et échanges à venir. Merci. D'accord. Vous êtes déjà champion d'Afrique. On espère que vous serez champion du monde de dodgeball un jour. Pourquoi pas? C'est bien possible de rêver avec vous à la tête de cette fédération. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. L'actualité continue sur cette info et sur 3xwcetteinfo.ci. Au revoir.